Bonjour, bonjour mes petits chats. Donc nous sommes mardi 4. Ouais, mais j'ai oublié de faire le calendrier parce que tous les matins c'est lui qui le fait. Et là il l'a oublié. Donc nous sommes mardi 4. C'est l'anniversaire de ma deuxième fille. Elle a 27 ans aujourd'hui. Voilà. Donc mardi 4 janvier. Et il est 8h58. Ben, je suis rentrée comme d'hab, hein, 7h30. J'ai bu un café, j'ai consulté mes mails, j'ai joué un peu à mes jeux. Enfin, j'ai fait mon petit trait-trait du petit matin. Parce que j'attends qu'il commence à faire clair pour faire une vidéo en fait. Alors, je tenais à vous dire que hier j'ai filmé ma salle de bain à fond. J'avais nettoyé ma salle de bain à fond pour vous dire qu'hier soir j'étais KO. Trop mal au dos et tout, mais enfin bref, façon. Au moment du montage, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Au moment du montage et tout, tout y était exporté, tout y était fait. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai, au niveau du début de la vidéo, au moment de dire, ben c'est bon pour mettre sur YouTube, je sais plus comment que ça s'appelle le truc. Ben, j'ai été cliqué sur supprimer, donc j'ai une bonne partie de ma vidéo qui a été supprimée. Donc là, vous aurez un peu de salle de bain, mais pas beaucoup, je crois que la moitié, même pas la moitié. Donc je vais compléter avec celle d'aujourd'hui en fait. Je suis vraiment désolée, mes petits chats. En plus, j'avais donné de la joie et du cœur. Je dis, allez, je vais la sticker et tout. Franchement, j'ai bien passé, allez, sans rigoler, allez, une bonne heure dans ma salle de bain. Pour vous dire qu'hier soir, 8h, j'ai mon mari, je vais dans le lit parce que je pouvais plus de mon dos. En plus, hier, j'ai pas arrêté. Donc, hier matin, j'ai fait toute ma salle de bain. J'ai récupéré le gamin à 11h20. Ma fille, elle est venue entre deux parce qu'elle avait rendez-vous chez le médecin. Parce qu'elle prend le médecin ici. Elle prend pas son médecin de sa commune. Elle est repartie, était. Excusez-moi, je vais être baillée. Il était 1h moins 10. Moi, je suis repartie à 1h15 déposer mon fils au collège. Je suis revenue. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis revenue? J'ai bu un café et je me suis même pas assise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais je me rappelle plus. J'ai fait ma vaisselle parce que je l'avais pas faite. Et je suis repartie parce que mon gamin, il n'y avait que 50 minutes de cours. Du coup, j'ai pris sa trottinette. Je suis reparti le chercher au collège à 14h50. De là, on a été à Action. De Action, on est tout remonté à pied. En plus, j'en pouvais plus, j'ai mal aux jambes et tout. Ben, quand on fait rien pendant 2 semaines, hein, repos, repos, repose-toi. Ouais, quand on fait rien. Ben, quand on se remet en route. Ah là 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 là. Oh punaise, mes petits chats. Hier, ben là, j'ai mal. Hein. J'ai mal à mon dos, mes pieds. Je suis. Bon, ça va mieux qu'hier, mais enfin, bref. Donc, on est revenu. Non, même pas. On est revenu. Enfin, je suis même pas rentrée à la maison. Donc, on est revenu d'Action. D'Action à ici, j'ai. Bon, allez, quand on marche tranquillement, j'ai 30 minutes. Donc, on n'est même pas revenu ici. On a coupé parce que j'étais sur la place. J'étais à la poste retirer de l'argent. Parce que j'avais rendez-vous avec le gamin chez le docteur à 16h45. Alors, on est à la poste. J'étais à la boulangerie chercher le pain. J'ai pris le goûter en même temps à la boulangerie. Je suis revenue, j'ai tout déposé à la maison, j'ai même pas enlevé mon manteau. Mon mari m'a appelé entre deux, il me dit je dois rentrer la voiture ou pas. J'ai dit ben non, j'ai tout fait. Il me dit t'es revenu à pied. Je dis bah ouais, j'ai revenu à pied. Nanana, voilà. Là, je dis ben, écoute, la porte est ouverte, moi je file chez le médecin. De là, on a été chez le médecin, ça va, il nous a pris tout de suite. Donc il dit le petit ben, il consulte, il dit il y a une crataïte, crataïte, crataïte. Oh ben bref. Voilà, donc il m'a donné ce qu'il fallait. De là, pharmacie. De pharmacie, je suis rentrée, je me suis posée quoi? 10 minutes à quart d'heure, j'ai mon mari, je dis attends, je m'assois là parce que j'en peux plus. Donc je me suis assise, ouais, 10 minutes à quart d'heure. De là, je vois 18h, et je dis bah allez, j'ai commencé à faire mon souper, j'ai épluché mes pommes de terre. J'ai fait une pomme de terre au sel, là, une pomme de terre à l'eau avec des émincés de poulet mariné avec toutes des herbes et tout ça. Et des haricots verts dedans avec de la crème liquide. On a soupé pour vous dire que je dis mince, mon garçon, il est bien calme. Parce que souvent, ben, il rentre.
Je laisse un peu jouer, tout ça dans sa chambre et tout. Puis là, je suis mince, je l'attends pas. Et je vais dans la chambre, il est en train de dormir avec son téléphone calé. Donc, je prends le téléphone, j'enlève pas ses lunettes parce que je vais réveiller. Donc, nous, on a mangé et tout. Le gamin, il s'est réveillé, il était quoi, 8 heures? Parce que mon mari, il a tourné la tête, on regardait les infos, il dit, oh, ben, il est réveillé. Je dis, ben, tu veux manger? Il me dit, non, non, j'ai pas faim. Enfin, bref. Et je dis, ben, écoute. Et j'ai pas de mettre en pyjama. Donc, il s'est mis en pyjama, puis il est retourné dans le lit. Et après, ben, moi, je vois 8h30, donc on a mangé, j'ai fait ma vaisselle. Ben, on a mangé, c'était 7h10. J'ai fait dans la lancée, je dis, je vais faire toute ma vaisselle comme ça. Je suis tranquille, donc la vaisselle qui est là que je dois ranger. Hein. Après, je me suis posée dans le fauteuil, j'ai vu 8h15, je dis à mon mari, allez, je pars parce que je vais dans le lit parce que oh, j'en peux plus. Je me suis endormie, c'était quoi, 23h30. Et ce matin, quand le réveil a sonné, c'était oh, c'était dur, dur, 6h, je dis non, déjà, j'ai trop bien dormi. Donc voilà, la mise en route est difficile. Enfin, elle n'était pas difficile parce que j'ai pas arrêté hier, j'étais fou, fou, fou. Mais là, aujourd'hui, je le ressens. Hein. Mais c'est pas grave, là, je vais m'y mettre. Donc là, je vais ranger ma vaisselle, les petits chats. Je vais faire ça, je vais laver ça. Ben écoute, c'est pas ça, là. Pouh, je vais faire le tour, c'est du débarrage. Ça, je vais le ramasser, parce que j'ai acheté un truc à Action, j'ai voulu le mettre ce matin, le truc qui est tombé. Enfin bref, c'est pas ça. Là. Je vais donner un coup d'aspirateur, passer vite fait un balai vapeur, mais je suis même pas sûre de passer le balai vapeur, c'est tellement que c'est pas sale. Un coup d'aspirateur suffira bien. Parapluie à ranger, donc la trottinette, mes chaussures, mais la trottinette, je dois la reprendre à 11h20. Ouais, non, c'est pas sale, c'est pas. Je vais peut-être, qu'est-ce que je vais faire, c'est enlever mon micro-ondes. Ouais, je vais faire ça, je vais donner un bon coup d'aspirateur, je vais pas passer le balai vapeur. Qu'est-ce que je vais faire, c'est, je vais enlever le micro-ondes et je vais bien frotter derrière. Voilà, puis bien nettoyer le sol, plan de travail, bien ranger tout ça. Et je vais essayer d'enlever les décos là de la fenêtre déjà. Voilà. Bon, allez, je vous mets sur trépied, puis on y va. Hein. Allez, on y va, mes petits chats. Hein. Motivés? Donc, c'est soit vous prenez un café ou un thé ou un chocolat chaud. Vous restez dans votre fauteuil avec votre téléphone ou la télé et vous me regardez. Ou alors, vous dites, bon, allez, Natal s'y met, je m'y mets aussi. Allez, à tout de suite, je vous pose sur trépied. Bon, je vous reprends parce que ben la musique, je sais pas, il n'y en a pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais pas. Je peux pas vous mettre un fond de musique. Donc je vais vous parler. Donc j'ai reçu ma enfin je rince ma vaisselle, je vais la poser. Je vais mettre de l'eau dans le bac. Puis je vais laisser tremper le temps que je fais le reste en fait. Ouais, j'aime bien rincer toute ma vaisselle avant de faire ma vaisselle, comme ça il n'y a rien dans le lavabo. Enfin, c'est propre quand je vais mettre ma vaisselle dedans, quoi. Voilà. Le temps il est gris. Ah ouais, je ne vous ai pas dit. Le temps il est gris. Gris. Ce matin, quand je suis partie conduire le gamin à l'école, il pleuvait. Pouh. Qu'est-ce que j'aime pas la pluie. Il y a pas, hein, faut bien y passer, hein, comme on dit. Faut bien y passer. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire là. Là, je sais pas quoi vous dire. Oh, je vous jure. Hein. Donc voilà, j'ai mis de l'eau, du produit vaisselle, je mets ma vaisselle dedans, on va bien laisser poser. Hop, en plus c'est de l'eau bouillante, j'ai mis de l'eau bouillante. Moi j'aime bien de l'eau chaude comme ça. J'adore ça. Je sais pas, vous dites-moi commentaire si vous aimez bien faire les choses, ben, votre vaisselle, ben, nettoyer avec de l'eau fort chaude. Moi j'adore ça. Mon mari, non, lui, ça l'eau froide. Moi, l'eau froide, non, je peux pas. Moi, il me faut de l'eau bien chaude. Même l'été ou quoi, il me faut de l'eau super chaude. Je trouve que bah, pour moi, ça dégraisse mieux. Enfin, c'est mon avis perso, hein. Mais c'est mieux, moi, je trouve de l'eau chaude, même pour laver par terre et tout.
Je fais chauffer de l'eau de ma bouilloire et puis je mets bouillant comme ça dans mon seau. Bah, après, ça brûle mes mains, quoi. J'ai mes mains toutes rouges. Après, vous allez me dire, c'est pas bon pour la circulation du sang, mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je regarde en même temps là, une youtubeuse à la télé, elle fait des recettes et j'aime bien. Enfin, là, elle fait un truc avec de l'avocat. J'aime pas l'avocat. Et puis j'ai été malade une fois là, avec l'avocat. Oh là 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 là, berk, non. Oh, rien qu'à regarder, bouh. Mais cette fille-là, elle fait bien des recettes, j'aime bien. Comment elle fait, elle explique bien et tout, là, j'aime bien. Je bois un café en même temps que je vous parle. Donc là, ben, j'ai ouvert ma porte-fenêtre, j'ai secoué mon tapis. Après, je vais baisser un peu ma persienne et puis je vais laisser grand ouvert en fait. Au moins, ça aère bien. Ça aère bien. Est-ce que vous avez déjà enlevé votre sapin? Je crois que je voulais déjà poser la question en plus. Moi non, je le fais ce week-end, j'enlève tout ce week-end. À part ma fenêtre, là, je vais le faire demain matin. Je vais commencer à enlever des petites décos qui sont sur le bahut, tout ça, quoi. Mais le sapin, je préfère le faire avec mon mari. Comme ça, lui, il y a une manière d'enrouler, c'est les. Comment on appelle ça? Les guirlandes lumineuses. Puis au moins, j'ai des baquets tout dans le garage, on range tout bien. Et puis c'est bien. On passe l'aspirateur. Donc n'oubliez pas ce que je vous fais plus voir maintenant. Mais je passe l'aspirateur, je fais le balai vapeur et je repasse l'aspirateur. Hein. Je préfère vous le redire. Parce que même quand on lave quoi, après que même qu'on a aspiré, qu'on lave après, il y a encore des petits trucs qui traînent par terre et ça m'énerve. Donc je re-respire comme ça, je suis sûre que c'est propre. Hein. Je pense qu'un sol, c'est jamais propre. Hein, qu'on fait que le balai vapeur ou à la serpillière. Moi, je pense que c'est jamais propre, propre, quoi. Sur des microbes, non? Ben, c'est mon avis. Après, hein. Là, au printemps, là, je vais vous faire voir. Là, je vais nettoyer mes jouets de carrelage par terre, là. Excusez-moi. Là, je suis pressée maintenant d'être au printemps. Oh, là, j'en ai marre. Puis là, c'est la période que je déteste le plus. Hein. Janvier 2, hein, parce qu'il est long. Je trouve que les semaines, il y a 5 semaines, je crois, ou 4 et demi. Je sais plus. Ah, alors, je trouve que c'est long. Après, bon, février, ça va encore. Mais après, bah, et mars, on se dit, allez. Allez, ça y est, le printemps, il arrive tout doucement. Allez, courage. Mais là, janvier, je déteste le mois de janvier. Ah, ouais. Puis, on peut rien faire. Peut pas profiter du jardin, on peut rien faire du tout. Donc, voilà, là, c'est le côté sapin. À mon vaisselier, même là cet été, là, pendant les congés, enfin les congés ou des week-ends, refaire finir les bahuts là, parce que c'est mon mari qui le fait. Il sort dehors les bahuts, les ponces. C'est que c'est du boulot, hein. Comme on dit, Paris c'est pas fait en un jour. Voilà, donc voilà quelques vidéos d'hier de ma salle de bain, mais là je vous jure, je suis dégoûtée. Franchement, j'avais tout fait à fond et tout. J'étais contente, je dis oh, pour une fois, parce que je vous filme pas souvent la salle de bain. Parce que déjà, ça m'escatte le dos et puis c'est petit, je sais pas toujours où mettre le trépied. Et hier, j'avais bien trouvé le truc et tout, ils vont être contentes. Ah ben non, j'ai fait des bêtises. Je vais pas appuyer sur le bouton supprimer, moi. Oh, je vous jure, hein, pas grave.
Là, je vous ai mis un peu quand même, quoi. Qu'est-ce que j'avais pas supprimé? Ben, je vous le rajoute là aujourd'hui. Elle me donne envie, là. Genre, je suis en train de regarder la dame, là, qui fait des recettes. Oh, je crois que je sais pas, peut-être au printemps, je vais m'acheter un robot, là, pâtissier, c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'elle fait des bons trucs, là. Je voudrais bien essayer de faire des pains maison, enfin, des trucs. Là, elle fait des bons trucs, elle fait un gâteau, là. Ça a l'air d'être trop bien. Je m'achète un robot pâtissier. Ah, elle a fait une pâte sablée, là. Vous allez dire, ben, on regarde sa salle de bain et elle parle de recettes. Non, mais il faudrait que je vous donne le nom. Attendez, je vais essayer de voir. Ah, elle fait les gâteaux. Ah, oh, ouais. Alors, c'est. Ah, elle, faut que je la mette. Mince. Ben, je l'ai perdu. Oh, mince. Ah, vous avez vu, je sais pas si vous regardez la youtubeuse Vamachou. Vama. Moi, je regardais de temps en temps. C'est dommage hein, d'en arriver là. Franchement, de mettre fin à un séjour comme ça. Après, je sais pas comment. Va Mavachou, ouais, voilà. Apparemment, elle s'est suicidée, mais on ne sait pas comment, ils vont pas le dire. C'est bien triste, hein. Franchement, elle laisse quatre enfants derrière elle. C'est bien triste. Je la regardais de temps en temps, j'aimais bien, moi. Je la regardais. Ah mince, alors, la première, c'est une de ses sœurs qui fait les recettes cuisine. Alors, il y a la cuisine avec mes filles, je crois. Et l'autre, moi, je ne me rappelle plus, puis j'ai perdu. Oh mince, c'est bête parce que elle fait des bons trucs, franchement. C'est comme là, Nouvel An, je l'ai fait chez mon garçon, puis elle a fait des quiches. Ben, je tape apéro dînatoire et je tombe sur elle. Et elle a fait des quiches et tout, et je refais ses recettes en fait. Et moi, je pensais que je les avais ratées, mais non. Ceux qui ont mangé les quiches et tout ça, on dit, ah ouais, non, c'est pas sec, c'est moelleux et tout. Et pour moi, je les avais ratées. Hein. Je dis, ah non, elles sont ratées, elles sont pas bonnes. Eh ben non, c'était bon, j'ai réussi. J'aime bien de temps en temps prendre des recettes des youtubeuses et puis les reproduire. Ah ben écoutez, je l'ai plus. Dès que je la retrouve, je vous dirai. Oh mince. Donc voilà, j'ai nettoyé toute ma machine à laver. Revenons à nos moutons, comme dirais-je. Hein. Donc j'ai lavé toute ma machine à laver. Alors, faudrait que j'essaye. Apparemment, ça tourne sur Instagram. Faudrait que j'essaye. On verra bien. Une astuce pour nettoyer la machine à laver. Alors, vous mettez. Moi, je vais le faire. Je vais sûrement le faire demain. Vous mettez deux pastilles de la vaisselle. Vous savez, pour laver, là, vous jetez ça dedans et puis vous faites un cycle à 60 et apparemment, ça nettoie tout la machine. Bah, écoutez, moi, je vais le faire demain. On verra bien. Il faut que je dévisse. Je dévisse. Le bac en dessous, là. Bah, je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça et c'était propre. C'était pas dégueulasse. Donc, je vais le refaire aussi, ça. J'ai tout aspiré au niveau des filtres. Même ça, hein, je vous avais tout filmé, tout. Et je vous dis, ça a été supprimé. Désolée. Tout aspirer le sèche. Là, j'ai tout. La seule chose qui me reste à faire, c'est bouger la machine à laver puis le sèche-linge pour bien faire derrière. Bien nettoyer les tuyaux et tout, ce qu'il y a de la poussière et tout. Mais là, je vais voir, faut que je commande le plateau là pour que je puisse mettre le sèche-linge sur la machine ou vice-versa, quoi. Mais ça, je crois que je le commanderai le mois prochain. Mais là, après, c'est léger, hein, sèche-linge, c'est léger. Je vais le faire quand même là. Je vais tout enlever. Enfin, je vais tout bouger. Puis tout nettoyer derrière. Je crois que je le ferai la semaine prochaine. Comme ça, je vous ferai voir ce que j'ai vu hier. Beaucoup de poussière, quoi. Ah, la poussière, elle se met partout. Hein.
Ah, il est déjà l'heure là, punaise, on va se préparer, il est déjà 11h10. Après, je m'en vais, il est 25, donc pour est-ce que je rejoins le gamin sur la route? Voilà, je passais le balai vapeur. Regardez, vous voyez le trépied, j'ai dû le mettre à l'entrée de ma cuisine. Et encore, vous voyez pas tout au niveau de la salle de bain, quoi. Ouais, c'est galère quand je dois nettoyer la salle de bain et vous le filmez, c'est une de ces galères. J'arrive pas avec le trépied. Si je mets là, ça va pas. Si je mets de l'autre côté, ça va pas. C'est pas grave tant que vous voyez que je fais le ménage. C'est le principal, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien là, un balai vapeur. Oh là 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 là. Par contre, je vais tout remettre en barre description. Mon Messenger, Instagram. Mon Vinted, n'hésitez pas. Allez voir sur Vinted si vous avez des enfants ou quoi. J'ai mis des pulls de mon gamin. Comment on appelle ça quand vous soulevez d'un côté, c'est une tête. Quand vous rabaissez, c'est un autre truc. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, il y a des petites choses sympas. Parce que si ça se vend pas, là, au printemps, je vais tout ramener à une association. Parce que moi, je veux pas jeter. C'est tout neuf. Même moi, il y a des vêtements à moi, j'ai pas mis beaucoup. Donc, à place de jeter, je préfère soit vendre à un petit prix ou faire plaisir à des malheureux, quoi. Donc, j'ai tout enlevé le bac, là. Les bacs sur mes machines qu'il y avait. J'étais à Action, j'ai racheté des nouveaux bacs. Je sais même pas si je vous les fais voir. Non, je pense pas. Ben, ça, je vous le ferai voir demain. Et j'ai tout enlevé. Moi, je suis tranquille, quoi, parce que ça faisait bordel. Mais je voulais racheter une grande panière comme j'ai là, en noir. Comme ça, j'aurais eu blanc et noir. Mais il n'y en avait pas hier à Action. Les rayons étaient vides. J'étais vide, il n'y avait rien. J'étais dégoûtée. Je joue là, j'étais à Action et dégoûtée, quoi. Il n'y avait rien, ça m'énerve. Dès que je vais à Jiffy, là, j'ai vu, ils ont mis de la belle déco. Dès que je vais faire un tour là-bas à Jiffy. Donc, ouais, je vous fais voir que la salle de bain, ben, c'est propre et tout ça, quoi. Voilà. J'ai rattrapé tout mon linge hier. Tout mon linge. Mais les bancs sont à peine vides que ça se remplit. Le lendemain, c'est déjà plein. Là, j'ai fait une machine, mais que les serviettes. Je fais que les serviettes, au moins je suis tranquille. Ouais, vous avez vu, pour nettoyer mon tapis, j'ai le socle. Oh, ça va super bien, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone. Hein. Excusez-moi, je suis à côté de mon téléphone. Voilà mes petits chats. Je vous ai pas fait enlever ma déco et tout ça parce que comme j'ai inclus ma salle de bain en même temps d'hier, ça va faire une longue vidéo donc. Chose que je veux pas. Donc ça, c'est rien, je vous le mettrai demain. De toute façon, je crois qu'en fin d'après-midi, je vais remettre une vidéo parce que je vais faire une galette des rois maison et je vais vous faire voir comment je fais. Si ça peut donner des idées. Et ça, je le ferai demain en fait. La déco et là, tout ça, je le ferai demain, mes petits chats. D'accord? Voilà, donc là, ben, c'est fait. Vous avez vu, j'ai quand même passé le balai vapeur vite fait. Mais franchement, je me demande pourquoi, parce que c'était pas sale. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà mes petits chats. Hop, c'est tout pop. Je vais tout fermer parce que ben là c'est ouvert. Je sais pas si vous voyez, regardez, c'est ouvert. Oh, j'aime bien moi, j'adore ça. Hein. Puis mes bougies vont en même temps là. Ah, ça dégage une odeur. Mis ma petite lampe, ça dégage une odeur dans la maison. Moi j'aime bien quand ça aère bien et puis des bougies. Donc, j'ai quand même fait ma vaisselle. Bon, je vous ai pas fait voir. Hein. Voilà, j'ai fait ma vaisselle. Bon, j'ai pas fini, regardez. Donc là, j'ai donné un coup de lavette vite fait. Je vous ai pas fait voir. Mais voilà. Là, c'est propre. C'est propre. Bon, là, c'est mon trépied. Bon, j'ai toujours pas rangé mon balai vapeur. Vous avez vu le truc avec mon... pour nettoyer les tapis. Ouais, voilà. Puis ça sèche vite. Donc là...
Là, la chambre, elle est aérée. Je vais la faire après. J'ai mis l'aspirateur dans la salle de bain pour donner un coup d'aspi. Puis j'ai la chambre du gamin à faire. Donc voilà mes petits chats. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Ah, c'est pas vrai, j'ai ma chaudière. Regardez, je vais vous faire voir. Moi, il y aura une preuve. Ben. Regardez. Voilà. J'ai fait mon entretien chaudière au mois de novembre. Novembre, ils m'ont envoyé un petit jeune. Le petit jeune, il connaissait rien, son boulot, je sais pas ce qu'il m'a fait. Depuis le temps qu'il a touché, ben voilà. J'arrête pas d'appeler l'agence. Et là, j'ai encore appelé là 3 fois là, ce matin, ils me répondent pas. Ils doivent venir. Alors, ça fait depuis cet été, on attend, ils doivent changer le toilette parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de VMC. Voilà, de VMC. Ah, ben tiens, en parlant de VMC, je ferai ça la semaine prochaine, tiens. J'ai eu enfin, des problèmes de VMC, enfin bref. Donc ça fait que ça m'a créé plein d'humidité au coin de fenêtre. Ça me faisait tout du noir, là, du pourri, là, je sais pas comment on appelle ça, du noisy au coin de fenêtre. Là-bas, ma porte-fenêtre. À mon toit et derrière mon toilette, tout y a pourri. Ben, ça a même bouffé mon meuble de salle de bain. Attendez, je vais vous faire voir. Oh, désolée que je traîne mes pieds, mais j'ai mal à mes pieds. Alors, regardez. Vous voyez, tout y a abîmé, tout y cloque et tout à cause de l'humidité. Bon, regardez. À cause de l'humidité. Alors, il y a mon toilette. Je sais pas, mais vous n'allez pas voir. Parce que moi, j'avais tout frotté. Mais vous n'allez pas voir. Enfin, bref, tout derrière mon toilette, tout y a le mur. Il n'y a pas pourri, quoi. Ça fait des taches noires. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc, ils doivent venir peindre mon toilette, changer mon toilette, changer le meuble de toilette. Et ben depuis le août, j'attends, je fais que d'appeler, d'appeler. Là, ils sont venus faire mon entretien chaudière. Mais ben voilà, un petit jeune, il connaît pas son boulot. Voilà, ça me fait que faire F28. Donc là, je vais les rappeler. Donc sur ce, mes petits chats, je vous dis à demain. Passez une agréable journée. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2022. Surtout, prenez soin de vous, mes petits chats, surtout. Je vous fais des gros bisous, je vous adore. À demain. Enfin, à demain, mais je vais vous remettre une vidéo fin d'après-midi pour la recette de la galette, hein, d'accord? Allez, à tout à l'heure et à demain. Bisous, bisous, je vous aime.